Salut à tous, ici NTX Prod. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tour au Pricheur. Pour commencer, la première mission était de trouver un endroit où manger. Alors, première mission. Petite précision, pendant cette vidéo, je serai accompagné de Megan, qui joue une multitude de rôles dans ma vie. Alors, première mission, trouver un endroit où manger, parce que quand nous avons un peu beaucoup faim, on va trouver quelque part où manger au Pricheur. Après maintes et maintes recherches, nous nous sommes rendus à l'habitation Céron. Chose à savoir, pour l'habitation Céron, l'entrée est de 8 euros pour les adultes et de 5 euros pour les enfants. Il y a aussi possibilité de s'inscrire et lorsque vous payez vos 8 euros, vous pouvez venir toute l'année. En attendant d'être placé au restaurant, nous avons pu profiter d'un magnifique cocktail tout en jouant au jeu de dames dans le bar. Après avoir été placé, nous avons dégusté un repas gastronomique 100% fait maison, tout ceci dans un cadre magnifique. Après avoir mangé, nous nous sommes lancés à la recherche du fameux Zamana. Nous nous enfonçons au fin fond de l'habitation Céron dans le but de trouver cet arbre. C'est quoi le nom de l'arbre? Le Zamana. Le Zamana. Regardez, messieurs, je vous on va dire, mon là, c'est qui se bat. C'est ça. Regardez bien. Là, nous avons le Zamana ici. Le là. Zamana. Ça y est, nous sommes arrivés à l'arbre. Donc voilà, nous sommes actuellement près du Zamana. Nat, coucou! Alors, pour que vous ayez une idée de la grandeur de cette arbre, j'ai posté Megan en dessous de l'arbre assis en tailleur et j'ai dézoomé. Chose à savoir aussi, pour l'habitation Céron, il y a aussi possibilité de se baigner dans les différentes rivières qui se trouvent aux alentours. Va-t-on enfin sortir de cette forêt? Où va-t-on se perdre au Pricheur? Vous allez bien? Oui, tout à fait. Oui, allons-y. En sortant de l'habitation à Céron, deux amis nous ont rejoints, Cyril et Noémie. Ensemble, nous avons décidé de nous rafraîchir en achetant un Cinnoball. Donc alors, monsieur, connaissez-vous la ville du Pricheur? Non. Vous savez pas ce qu'il y a? Avez-vous déjà visité le Zamana? Le Zamana, c'est un grand arbre. Un grand arbre. Évidemment. Et pour terminer cette petite excursion en beauté, nous avons pu profiter d'un magnifique coucher de soleil en bord de mer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.